Bienvenue, bienvenue, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode, mais avant je vous propose un petit résumé du précédent. La dernière fois nous avons débuté notre aventure dans un bâtiment, qui a priori est un bureau fédéral de contrôle. Nous incarnons Jaycee, une femme au passé bien mystérieux et qui à première vue est là pour une affaire encore inconnue. On apprend que le directeur Zacharia Trench s'est tiré une balle dans la tête. L'intrigue et le déroulé de notre histoire a l'air de tourner autour de tout ça. La première personne que nous rencontrons est Attie, le concierge. Il semble à la fois nous connaître et à la fois pas. Il reste néanmoins pas très net, tout comme le bâtiment qui nous entoure. Vous souvenez-vous des trois portraits présentés au début? Eh bien là, celui représentant Attie a complètement disparu et a fait place à un ascenseur. La structure entière du bâtiment a l'air d'avoir changé. Ce n'est qu'une fois sur la route du bureau du directeur que Jaycee nous dit. Est-ce que je t'ai perdu? Juste pour un moment? Nous adresse-t-elle la parole? Traverse-t-elle donc le quatrième mur? On en apprend un peu plus sur elle et son passé. A priori, elle aurait un petit frère dénommé Dylan. Cela fait 17 ans que le bureau fédéral de contrôle lui ont pris. Est-elle donc ici pour lui? Une fois dans le bureau du directeur, on aperçoit son corps gisant au sol, avec une arme encore jamais vue. En l'attrapant, on se retrouve téléporté dans une dimension, appelée plan astral. Une, ou plutôt des voix qui se fait appeler le comité, nous indique une marche à suivre, pour finalement apprendre à utiliser cette arme, ou plutôt cet objet de pouvoir. Les premiers ennemis ont l'air tout sauf humanoïdes. Effectivement, on apprend qu'ils ont été infectés par le Hiss, un gaz ou plutôt une force qui les rend complètement inhumains. Des apparitions du directeur Trench commencent à se faire. Il nous demande de trouver la hotline et de purifier des points de contrôle. C'est là qu'on s'aperçoit que Jaycee possède des capacités bien particulières. Par la suite, on fait la rencontre d'Emily Pop, l'assistante du docteur Darling. Vous savez le troisième portrait que nous avons vu au début, muni d'un ARP. Amplificateur de résonance polyèdre, qui est d'ailleurs censé protéger du Hiss. Elle nous prend pour le nouveau directeur. On en apprend un peu plus d'ailleurs sur le passé de Jaycee. Le bureau a été impliqué dans un accident dans sa ville d'origine, Ordinary. Mais Pop nous promet de creuser dans les archives et nous apporter plus de réponses à cela. Elle nous confirme même l'existence d'un autre objet de pouvoir, la Hotline, celui dont nous parlait Trench plus tôt. Un vieux téléphone qui serait apparemment une ligne de communication directe entre le directeur et le comité. Va-t-on enfin comprendre pourquoi nous sommes ici et pourquoi le Hiss est apparu? Je vous laisse découvrir la suite. Il n'y a pas de questions stupides. Appel anonyme. Entrez dans le département des communications pour trouver la hotline. Ok, du coup, le nouvel objet de pouvoir dont nous parlait Emily Pop. Alors, par où il faut se rendre? Et encore une fois, notre message de bienvenue. Ok, on va être bien accueillis, je sens. Est-ce que ce serait par ici? C'est quoi ça? Attends, oh, je prends du dégât? Ah ouais, mais ça fait gavé mal! Très puissant ici. Tu ne veux pas que je m'approche plus que ça? Je suis tout à fait d'accord. Ouais, mais je pense vraiment qu'elle nous parle. Hein. Je pense vraiment qu'elle nous parle. J'ai plus de munitions, putain. C'est vrai que le coup au corps à corps, il est vraiment efficace. Hein. Lettre morte. Il a l'air balèze lui. Ah mais il prend même pas de dégâts en plus. On va d'abord s'occuper des mecs en haut là. Et recharge, recharge, recharge. On va s'occuper des gars en haut et après je pense qu'on va s'occuper du gros balèze en bas. Allez, à ton tour. Voilà. «
tarif, c'est abusé. Ça fait super mal. Une fois leur shield tombé, ça y est, c'est... Ils ne valent plus rien. Bon. Je vais devoir purifier le point de contrôle. Wow. C'est magnifique comment le bâtiment se forme et se déforme. C'est un truc de ouf. C'est hyper joli. Purifier les points de contrôle pour débloquer des points de déplacement rapide placés dans l'ancienne maison. Ok. Regardez un peu. À peine 20 cm de large et capable de stocker jusqu'à 80 kilooctets. Ha ! Volé par nos amis de la CIA, le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques. C'est pas le vrai disque, bien sûr, mais une copie conforme, une fusion de concepts absolument parfaite. Vibrant dans l'inconscient collectif du temps de la guerre froide. Un réceptacle. C'est un réceptacle. De dangereuses énergies peuvent se rassembler. Et en effet, nous n'avons pas les détails, mais lorsque des choses ont commencé à voler autour du disque, on nous l'a transféré. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. Et il peut faire voler des objets par télékinésie dans les airs. À ce jour, on a lancé peut-être... des douzaines de crayons. Et une fois... On a même fait voler un gobelet. Ok, donc là, on a appris l'existence d'un troisième objet de pouvoir. Donc cette fameuse disquette là qui a l'air de faire léviter des objets. Donc on en connaît trois pour l'instant. Le pistolet, la hotline, et du coup maintenant la disquette. Communication. On est sur la bonne route. Alors qu'est-ce que j'ai en... Mémoire de la maison. M'apporte quoi? Non, c'est ok, c'est juste un matériau. Ça peut être pas mal ça, j'ai des modes d'armes aussi. Alors qu'est-ce que j'ai en mode personnel? Amélioration de santé et récupération de santé. Je pense qu'on va partir sur la récupération de santé, ce sera beaucoup plus efficace pour la suite. Hein. Ouais, on va partir sur ça. Parce qu'en combat, honnêtement, c'est vraiment la récupération de santé qui va primer. Alors, dans les chiottes, est-ce qu'il y aurait un objet particulier ou pas du tout? On dirait pas. Oh! Qui a fait ça? Là on peut pas passer. Là-bas. Ok, il y a un bunker. Avec un autre objet à ramasser. Est-ce que ce serait un mode d'arme peut-être? Récupération d'endurance. Ouais, non, je pense qu'on va rester sur la récupération de santé. Mon pauvre gars. Un objet de pouvoir. Ok, là c'est la disquette en fait qu'on a en face, mais il nous a menti en fait. Et elle nous lance pas des stylos là. Ah, elle nous lance pas des crayons là, c'est bien vénère. Hein. On dirait qu'elle a une espèce de pattern. De trois coups, puis après elle arrête de tirer. On va passer par cet escalier. Accroupissez-vous pour vous mettre à couvert derrière les petits objets. D'accord. Ouais, non, mais attends, mais ça m'aide pas du tout. Mais elle démonte.
Démonte le décor là. Ok, elle a tiré 3 coups, j'y vais. Changer de chaîne. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice. Maintenez R1 pour attraper les objets indiqués. Et relâchez R1 pour les lancer. Ok. Oh, mais ça déboîte! Ah ouais, genre, je peux utiliser tous les débris de... tous les débris du mur. C'est trop bien. Ah, la physique du jeu, elle est géniale. Lancer, aligner le cube, machin chouette. Si je prends ça... je le mets ici. D'accord, ça m'a fait apparaître une plateforme. Enfin, c'est quand même super joli. Hein. Ça me fait penser un petit peu à l'Upside Down. Je sais pas si ça vous parle. Upside Down, genre... On est téléporté entre des mondes. Ben j'adore l'univers. Ah ouais, mais ça les one shot. Mais c'est encore mieux que le corps à corps. Ah, je vais même plus utiliser mon pistolet, moi c'est fini. Et hop. Ah, par contre les cibles à distance, je crois pas que je puisse les toucher quand elles sont trop loin. Ouh, dans les dents. Le retour et l'aller. Louise, bruit creuse dans notre plan astral, base secrète. Ouais, je comprends vraiment rien à ce qu'ils nous disent. La disquette est maintenant liée et livrée. Donc on maîtrise la disquette. Trouver un chemin à travers le département des communications. Les capacités telles que lancées sont particulièrement efficaces contre les boucliers. Ça va être pas mal ça, c'est bon à savoir. Attends, je crois que... oui, effectivement, ouais, y a du monde qui va nous accueillir. C'est pas un objet compliqué, eh merde. Ah, j'ai plus de vie. C'est quoi? Attends, mais... ah, mais j'ai pris l'armoire en fait. Oui, d'accord, j'ai pris l'armoire. J'ai même pas pris. Allez hop. Ouais, oh là là, un objet, ça leur enlève tout le shield. On peut juste aller finir au flingue. Et merde. On n'a rien vu, on est reparti. Alors, c'était juste par là. Ok, donc là c'est bon, je peux passer par là. Tout à l'heure c'était complètement bloqué. Je peux rejoindre la hotline depuis la salle du courrier. C'est fermé. Peut-être une clé dans le coin. Ah, il y a peut-être une clé, peut-être dans ces pièces-là. Mais j'y vois rien du tout. Ah. Ok, je prends le point de contrôle au cas où si je meurs. Je respawn ici. Ah. Ah, bah elle est juste là, la clé. Elle doit ouvrir la porte. What?
C'est super. Quoi ça? Ah oui d'accord, ok, utilise aussi la télékinésie. Aïe. Il fait super mal. Mince, mince, mince. Je pense que la télékinésie... Il esquive absolument tout, même mes balles. On va s'occuper des... de ceux qui sont autour là d'abord, je pense. Mes balles, elles lui font rien du tout. Et si tu manges un canapé? Ah mais non, évidemment, t'esquives. Et un deuxième? T'esquives aussi. Cette petite capsule là. On dirait les capsules d'un Monstre et Compagnie. Et il régène toute sa vie. Oh là 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 là. Faut se cacher. Heureusement qu'on a le module pour récupérer de la vie. Ok, il s'en va. Il en a rien à foutre. Je sens qu'il va revenir. Restons concentrés. La hotline devrait être proche de la salle du courrier. Enregistre-moi ça. La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes. La mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des États-Unis à La Havane a été causée par une arme sonique aux mains d'une puissance étrangère. De nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions dans l'oreille interne, mais la plupart récupéreront toute leur audition. Bien sûr, cet événement a aussi endommagé leur mur cellulaire, mais on ne peut pas imputer ça à une stupide arme sonique. Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés. Franchement, quelle était la possibilité qu'un objet altéré apparaisse dans une ambassade américaine? Un sacré coup de chance, hein. C'est bien plus facile de... Hey, tu es encore en train d'enregistrer, là? Ok, donc là, le gars qu'on vient d'entendre, c'est celui qu'on vient de combattre. La Hotline Chamber. Ah, on l'entend au loin. Écoutez. L'outline devrait plus être loin. Qu'est-ce qu'on a ici? Un matériau, ok. La chambre de l'outline. Wow. Fonctionne dans une logique de rêve. Le cordon de la lumière. Là-bas. Comment je fais pour m'y rendre? Wow. On est déjà venu ici? Non. J'ai connu pas mal d'hôtels routiers dans presque tout le pays. Sur la route, sur le départ, et sous le radar. Ce lieu leur ressemble tous. Un peu comme s'ils sortaient tout droit d'un rêve. Ok, donc là je suis dans l'hôtel Ocean View. Eh oh! Y'a quelqu'un?
a une porte ici qui est ouverte. Qu'est-ce qu'on a de beau? Rien du tout. Là, on peut pas ouvrir, on peut pas ouvrir. Traverser l'hôtel Ocean View. Moi, j'ai la sonnette qui est... cette mélodie. Ah ! On a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Ok. Je crois que j'ai compris le... j'ai compris l'énigme. Je crois. Donc la sonnette, elle me permet d'ouvrir les portes, c'est ça ? Et ouais, j'en étais sûr. Donc on a visité la première, on a visité la deuxième. Est-ce qu'il y en a une autre ? Troisième ? Ok. Non, il n'y en a que trois. Voyons voir dans la troisième. Il y a une pyramide noire sur la clé. Pyramide noire, ça me dit quelque chose. Je crois l'avoir vu tout à l'heure par là-bas. Ah, il y a des symboles sur les portes. Là, on a une spirale, un triangle, un logo, notre spirale. Ok, je pense que c'est ici. Oh, ça peut être très horreur. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a changé de... d'endroit aussi? Ça a ouvert des portes? Ça a pas ouvert de porte, non? Il faut y retourner peut-être? Ok, ça m'a téléporté sur la passerelle de l'outline. Remporter le défi du plan astral. What the fuck? Ça va m'attaquer ça? La hotline vous permettra de contacter... merde! La hotline vous permettra de contacter des entités extradimensionnelles. De quoi? Je comprends rien à ce jeu, mais qu'est-ce que j'aime bien. On dirait des espèces d'ennemis, enfin en tout cas des trucs qui ne veulent pas du bien. On entend encore le téléphone, on entend encore la hotline sonner. Comme c'est un objet de pouvoir, ben là j'imagine que... il faut encore une fois du coup passer par le plan astral pour pouvoir manipuler l'objet. Comme pour le pistolet et pour la disquette. C'est juste un téléphone et un objet de pouvoir. Il ne se connecte à aucun réseau classique. Il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité. Et selon mon hypothèse, sous certaines conditions, vers les autres plans d'existence aussi. Un directeur a besoin d'une équipe. Mon équipe de direction. Ces gens connaissent les secrets du bureau aussi bien que moi. Certains encore mieux. Ils ont tous fait leurs preuves. Darling, Tomasi, Salvador... Marshall. Marshall surtout. Ma chef des opérations. Elle me connaît par cœur. Elle sait que je n'aime pas beaucoup déléguer. La seule personne qu'on devrait décevoir, c'est soi-même. Mais les choses changent quand on devient directeur. Je l'ai trouvé, l'outline.
Je peux joindre Trench. Enfin, je peux l'écouter. On dirait plutôt un écho. Un écho avec des infos importantes. Je dois retourner voir Emily. Les gens ont tendance à mal réagir quand je leur parle de toi. Est-ce que c'est trop tôt pour tout dire à Emily ? Elle peut peut-être m'aider, mais... Alors moi, je reste sur ma position qu'elle nous parle, clairement, et qu'elle a traversé le quatrième mur. Du coup, là, elle est... À moins qu'elle ait un second elle. Enfin, du coup, une... Ouais, schizophrène. Je sais pas. Oula. Bon, eux nous font plus peur. Dans les chicots. C'est par ici qu'il faut passer. Ouais. Pour retourner dans la salle du comité. On va aller chercher Emily Pop. C'était par là, je crois. Je sais plus. Mailroom, cafétéria, centrale exécutive. Non. C'est clairement pas par en haut. C'est que... Non. C'est quoi ça? Je peux récupérer ces objets. Ah, ok, c'est des objets électriques. Chargés en tout cas d'une énergie. C'est un objet qu'il lui faut, un objet. Voilà, on lui a enlevé le shield. Je sais pas ce que c'est, mais on prend. Aïe. Ah, bon, mais. Emily Pop, c'était juste en haut. Jesse, vous avez la hotline? Comment c'est là-bas, les coms, le IS? Pardon. Vous avez réussi. Bien joué. Emily? Un mot. Bien sûr. J'ai trouvé la outline. Je peux comprendre ce que dit Trench maintenant. Incroyable! Et qu'a-t-il dit? Il a parlé de son équipe de direction. Des gens au courant des secrets du bureau. Votre chef, Darling. Thomasie, mais... Lewis l'a eu. Salvador? C'est le chef de la sécurité. Et Marshall? Hélène Marshall est le chef des opérations, une ancienne de la CIA. Elle a amené son équipe jusqu'au secteur de recherche pour sécuriser la production d'ARP. Elle n'est pas revenue. Elle pourrait nous aider. Les autres secteurs? Comment je peux m'y rendre? C'est impossible à cause du verrouillage interne. En tant que directrice, vous devriez pouvoir l'outrepasser, mais vous ne pouvez le faire que depuis le secteur de maintenance. En temps normal, vous prendriez l'ascenseur de secteur pour descendre. Il connecte tous les secteurs. Mais il ne fonctionne pas à cause du verrouillage. On a déjà pu lever un verrouillage. Je peux peut-être trouver un moyen. Jesse, sans préparation ni entraînement et en situation extrême, vous en sortez incroyablement bien. De plus, le IS ne semble pas vous affecter. J'adorerais vous analyser. Si vous acceptez, bien sûr. On pourrait découvrir quelque chose d'utile. M'analyser, oh, je sais pas. Elle pourrait découvrir ta présence. Mais ça pourrait m'aider à me comprendre moi-même. Ok. Si vous pensez que ça aide. Bien. Je vais consulter la documentation interne sur le contournement de verrouillage. Nous devons ouvrir ces secteurs pour localiser Darling et Marshall. Et je vais chercher un accès pour le secteur de maintenance. Il va falloir faire vite que je puisse faire sauter le verrouillage. Thank you.
Améliorer et débloquer de nouvelles capacités au point de contrôle le plus proche. Voyez-vous un chemin jusqu'au secteur de maintenance. Ok. Elle aura rien à me dire de nouveau, je pense. Hey, Jesse. L'origine du Is. Director Trench, l'ancienne maison, objet de pouvoir, amplificateur de résonance, polyèdre. Ok, donc on a la RP, ça on le sait ce que c'est. L'origine du Is, est-ce qu'éventuellement... C'est quoi l'origine du Is? Je n'en suis pas sûre. Vous avez dit que le Is était là quand vous êtes entré. En avez-vous vu quand vous étiez dehors avant d'entrer? Non. Non, juste ici. Sa source est donc interne. L'ancienne maison est un énorme complexe, doté de portes vers... d'autres lieux. Je ne saurais même pas par où commencer à chercher. Mais ça fait au moins une bonne nouvelle. Le verrouillage tient bon. Ce serait la fin de tout si le Is quittait le bâtiment. Le monde au dehors est loin d'être parfait, mais je ne voudrais pas que le Is le détruise. On est d'accord, Emily. Bon, alors c'est pas plus Merci, que nous. Emily. Je reviendrai bientôt avec d'autres questions. Quand vous voulez. Je sais pas trop, mais je fais vous pas trop confiance à cette Emily Pop. Où est-ce que ça vient? Une chanson? On dirait que ça vient de l'ascenseur. On dit que le Is a attaqué la centrale, ça pose pas mal de questions. Est-ce que les monstres communiquent, se coordonnent? Pourquoi la centrale les intéresse? Aucune chose sur la centrale est confidentielle. Ça ne sert à rien de chercher ce qui motive le Is si on ne sait même pas quelle énergie est utilisée. Comment ça? C'est sûrement un réacteur de fusion. C'est le seul moyen de produire toute cette énergie. Pas vrai? Déjà, on va améliorer mes capacités. Corps à corps, lancer, énergie et santé. J'aurais tendance à améliorer la santé. Parce que on prend vraiment cher, quoi. C'est... De toute façon, on a encore 3 points. On va améliorer la santé. Et je dirais les dégâts de lancer. Ouais, les dégâts de lancer. Que... Non, non, en fait, ça c'est uniquement pour... ces points, c'est uniquement pour ces caractéristiques-là. Là, il m'en faudra 3 pour l'améliorer. Là, il m'en faut 2. Plus 25%, plus 50% lancé. On va attendre des nouveaux points de capacité. Parce que j'ai bien l'impression... On va en avoir l'utilité. Alors... Améliorer pour accéder au mode de plus haut niveau. Non, ça ira. Mode d'arme obscure. Construisez un mode d'arme aléatoire. Ok, donc tous les matériaux qu'on a chopés jusqu'au début nous permettent de construire des modes d'armes ou des modes personnels. Mais encore une fois, c'est des modes communs et aléatoires surtout. Donc, on va pas s'y risquer pour le moment. Les tenues, on les a déjà vues. Voyez-vous un chemin jusqu'au secteur de maintenance. Bon, on est parti. La nouvelle directrice peut lancer des objets à 6 mètres. N'importe exécutif. Quoi. On n'a jamais enregistré de distance supérieure à 5. Tu connais pas les données de P6. Déplacement rapide. C'est ça? C'est le département des communications. Hein. Non, c'est le secteur de maintenance. Ah, lettre morte, cantine, salle du courrier. Chambre d'outline, affaire à l'exécutif. Salle de comité. Exécutif sans pain, c'est peut-être par ici, je pense. Un grand nombre de ces questions trouveraient simplement. Si on avait un spécimen vivant. Ici? Mais nous n'avons pas l'équipement nécessaire. On peut peut-être apporter une unité d'observation du secteur de confinement. Puis il vaut un chemin jusqu'au secteur de maintenance. Ce serait par là. Oh. C'est quoi cette jukebox? Je pense que ça doit être un autre objet de pouvoir. Ça, en tout cas, c'est pas par là. Faut travailler. Rejoins-moi dans maintenance. Ouh, Atti est revenu. A-t-il le concierge? Comme je l'avais dit, le concierge est quelqu'un de sympa.
Le secteur de maintenance, c'est le domaine du concierge. Si j'arrive à trouver Atti, il pourrait m'aider à lever le verrouillage. C'était peut-être toi qui m'as fait entrer dans l'ancienne maison malgré le verrouillage. Ou c'était peut-être Atti. J'ai l'impression que c'est grâce à lui que cet ascenseur m'a emmené jusqu'au bureau de Trench. Atti me guide-t-il aussi ? Le système pour lever le verrouillage est ici, dans la salle de contrôle. Mais comment y arriver ? Ils sont bien résistants, hein ? Ça continue, mais il y en a plus en plus en fait. Et quoi ? Monitor's office. Y'a quoi par là ?